Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tout la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans doivre au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, au côté la bande de co. Au bazar, na Kinshasa, République du Congo, au bazar, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balay, zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit 10 dollars, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Trois sujets vont faire l'objet de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons parler de ce communiqué publié par la LICOCO, la Ligue pour la lutte contre la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, et l'ODEP, l'Observatoire de dépenses publiques, qui ont publié un communiqué dénonçant des surfacturations dans deux grands projets. Premièrement, le projet sur la construction de 1000 forages à travers la République démocratique du Congo. Ceux-ci sont facturés au total à 398 millions de dollars américains. Jusque-là, ce qui est décaissé, c'est 71 millions de dollars américains. Deuxièmement, cette affaire d'installation des lampadaires à travers la ville de Kinshasa. Sous demande du gouverneur de la ville de Kinshasa, 13 millions de dollars ont été décaissés, ce qui fait un total de plus ou moins un peu plus de 400 millions de dollars américains. Alors, est-ce que il y a des indices de détournement d'argent dans ce projet, étant donné que les deux structures qui ont lancé cette alerte disent que justement il y a eu surfacturation? Est-ce que réellement il y a eu surfacturation dans ces deux projets? On va le savoir dans cette émission. On va essayer de réfléchir ensemble cette émission avec un invité que vous connaissez qui n'est pas présenté. On va deuxièmement parler de ces primaires, au sein de l'Union sacrée de la nation pour désigner le président le candidat président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Trois personnes sont donc en lice: Vital Kamerhe, Bahati Lukweboe et Christophe Mbosso Nkodia. Enfin, on va parler des consultations pour la formation du gouvernement. Comme vous le savez, Madame la Première Ministre vient de clôturer les consultations de la classe politique et ainsi que de la société civile. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Fumutoto Basanga. Il est cadre de l'Union sacrée de la nation, initiateur de la troisième voie, et il est l'Union des communicateurs de la République. C'est lui qui coordonne cette structure de communication au sein de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Mfumtoto, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également à ceux qui vont se faire la peine de nous suivre tout au long de cette émission et surtout ceux qui vont nous rejoindre en cours de diffusion. D'accord. Voilà. On va commencer par le premier sujet directement, c'est cette dénonciation de la LICOCO et de l'ODEP sur la surfacturation dans deux projets. Celui d'abord de la construction de 1000 forages à travers la République et de l'installation des lampadaires dans la ville de Kinshasa. Vous avez lu ce communiqué certainement, quelle est votre réaction? Le vrai problème, c'est que nous ne savons pas souvent poser les problèmes, et nous au niveau de la troisième voie, courant de pensée et de l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée, nous disons chaque jour que si le problème est mal posé, et donc la bonne réponse est mauvaise. Les détournements
ne peut pas être une bonne chose. Parce que détournement droit administratif ou enceinte administrative, ça veut dire que le crédit n'a pas atteint sa destination. Ou alors que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Maintenant, cela signifie que chaque institution ou chaque animateur ne peut gérer que ce que l'autorité budgétaire lui a destiné. Et donc, lorsqu'il y a surfacturation, c'est déjà la mégestion, c'est déjà la malgouvernance, c'est déjà le détournement même des finalités de l'activité politique. Donc nous condamnons ça avec la dernière énergie, comme l'habitude de dire. Maintenant, ces détournements, on le pose sur le dos de qui? Il faut d'abord commencer tout de suite par féliciter le travail, combien grand, abattu par l'inspection générale de finances, qui est gérée sous l'impulsion du chef de l'État, bien sûr, par M. Gilles Alinguet et sa suite. Si dans le premier mandat du chef de l'État... Mais ici, il ne s'agit pas de Gilles Alinguet qui a fait cette dénonciation. C'est la LICOCO et l'ODEP. Non, mais parce que l'IGF est déjà en plein pied dans ce dossier et que la LICOCO n'est venue qu'après. Et que le poids du contrôle de la LICOCO ou de la dénonciation de la LICOCO ne peut pas être plus pondéré que le poids de l'IGF qui est un service de l'État attitré, mieux attitré pour faire ce travail. Mmh. Il faut ressortir que dans ce débat-là, M. Gilles Alinguet n'a pas de problème avec le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Pourquoi? Parce que M. Gilles Alinguet et l'IGF, ils sont en train de poursuivre un qui a surfacturé, deux qui a reçu autant d'argent sur la question de forage et qui n'a pas produit autant d'ouvrages pour la population congolaise, conformément à la convention. Ça, c'est la mission de l'IGF dans ce dossier. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher l'IGF de poser cette question, savoir, mais Mbongwengwe et Bimé Bele Ponanine? La mission principale de l'IGF, c'est le contrôle a priori, qu'on appelle les patrouilles financières. Et les patrouilles financières, c'est le mode de contrôle par excellence qui se fait à travers tous les pays organisés, la Belgique, la France. Ça finit que parce que l'IGF a trois missions, trois contrôles à effectuer. Il y a la contrôle a priori, concomitant et a posteriori. La différence, c'est que le dernier contrôle vient voir qu'est-ce que tu as fait l'argent de l'État après l'avoir déjà affecté. Or, même si on constate que vous avez mal géré, comme l'argent n'est plus là, c'est déjà un problème. C'est presque le rôle de la Cour des comptes. Mais la patrouille financière veut savoir exister, veut faire exister l'IGF avant que vous n'affectiez l'argent de l'État. Et là, ça vous permet de protéger, d'avoir peur de mal affecter l'argent de l'État. Et parmi les préoccupations de la phase du contrôle qu'on appelle la patrouille financière, c'est aussi de contrôler soit l'opportunité de la dépense publique, soit qu'il y a surfacturation. Donc on ne peut pas refuser à Gilles Alinguet et à ses services de poursuivre ce dossier-là. Mais on doit tout de suite dire que Gilles Alinguet, dans ce cas-là, et l'IGF ne poursuivent pas Nicolas Kazadi. Parce que les contraintes de l'État congolais pour la production de forage existaient avant l'arrivée de Nicolas Kazadi comme ministre des Finances. Vous pouvez répondre d'abord. Ça a été signé en 2021. En 2021, Nicolas Kazadi n'est pas encore ministre des Finances. Je pense que ça doit être Guy Mukulu qui était le ministre du Développement Rural. Avant que mon frère Lubota soit là. On va parler de Sélé Yalagouli qui était là. C'est Sélé Yalagouli qui était ministre des Finances. Et ce n'est pas le dossier du ministère des Finances qu'il s'agit de l'époque de Sélé Yalagouli, qu'il s'agit de l'époque de Nicolas Kazadi. C'est le dossier du ministère du Développement Rural.
et que le ministère des Finances, que ce soit au temps de Sélé Yalagouli, que ce soit au temps de Nicolas Kazadi, n'a pour intervention là-bas que de décaisser l'argent pour que l'État congolais puisse bénéficier des conséquences. Mais qui a décaissé les 71 millions? J'arrive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il faut décaisser l'argent, nous soulignons très bien que ce contrat a existé avant l'arrivée de M. Nicolas Kazadi au ministère, à la tête du ministère des Finances. Mais lorsqu'il y a le principe de la continuité de l'État, Nicolas Kazadi arrive à la tête du ministère des Finances, il ne va pas se désengager des engagements ou des contrats que l'État a pris avant son arrivée. Lorsqu'on va lui adresser une correspondance du ministère du Développement rural par notre ami Lobota, mais c'est Nicolas Kazadi, on entrera dans les contenus de ce contrat, il va trouver qu'il y a un manque à gagner énorme contre l'État congolais. Il a trouvé que les forages sont énormément surfacturés et qu'on a même décaissé de la somme d'argent qui ne sont pas encore. Hein. Non. Le premier coût. Ouais. Estimatif, c'était 398 000 dollars américains par forage. J'arrive. Oui. Maintenant, lorsque M. Nicolas Kazadi jette un coup d'œil sur le coût par forage, il trouve que le montant est extrêmement exorbitant. Et il s'est investi à demander un nouveau débat avec ces gens-là. Et il obtient au moins 34% dont de somme d'argent dans le budget de l'État qui n'existait pas. Ça veut dire que le montant des mandats de l'État congolais reste, mais on majore le nombre de forages qui va passer de 1000 forages à 1400 forages. C'est que M. Nicolas Kazadi fait bénéficier à l'État congolais 400 forages qui n'existaient pas, mais dans le même montant, soit une enveloppe de 34% de somme que l'État congolais gagne. Le même montant. Maintenant, quelle est la mission de l'IGF ou de tout Congolais sérieux? C'est de poser la question. Vous avez reçu beaucoup d'argent, mais vous avez livré moins d'ouvrages, excusez-moi la tautologie. Et pourquoi? Mais avant qu'on arrive là, la question que vous avez posée, elle est importante. Ouais. Mais par forage, sur ce que M. Nicolas Kazadi a acquis comme ajout, par forage, c'était combien déjà? Non, ce n'est pas M. Nicolas Kazadi qui doit acquérir. Par acquis, c'est-à-dire acquis en termes d'augmentation des forages. C'est ce que je viens de dire. Oui. Sur le montant que vous venez de citer là, oui. L'État congolais par village, localité, le peuple congolais par village et localité concernée devait bénéficier 1000 forages dans ce contrat-là. Et en partant de ce montant qui était fixé par forage, les études de Nicolas Kazadi ont montré que c'est trop cher. On a revu à la baisse et puis on a obtenu l'augmentation dans le même montant d'au moins 400 forages, ce qui va nous permettre de partir de 1000 forages à 1400 forages. 1400 forages, oui, mais combien par forage? Là, il faut que j'approfondisse ma lecture pour voir combien par forage, mais le principe qui montre que le prix a baissé, c'est celui-là. Maintenant, nous avons tous intérêt de connaître pourquoi il y a surfacturation. Qui a bénéficié de cette surfacturation? Pourquoi il y a eu décaissement de beaucoup d'argent et moins d'ouvrages donnés au peuple congolais? Ça, c'est la question. Maintenant, est-ce que c'est le défaut de l'IGF? Non. Est-ce que c'est le défaut du ministre Nicolas Kazadi? Non. C'est pas son défaut. C'est le défaut des personnes qui ont surfacturé et ceux qui ont perçu l'argent, mais qui n'ont pas livré autant de forages attendus. C'est ça le débat. Mais le deuxième dossier. Mais on est parti de 398 000 dollars par forage à 297 000 par forage. Ouais. C'est toujours exorbitant. C'est-à-dire même s'il a décaissé 297 000 par forage et station mobile de traitement d'eau, c'est toujours exorbitant. Mais effectivement, il faut savoir que la faute, c'est dans l'ancien gouvernement qui existait. Mmh. On ne peut pas reprocher celui qui nous a aidé à obtenir au moins 30% sur le budget de la République et avec une majoration de 400 forages. Mais quand même c'est toujours trop. Mais je ne sais pas si on comprend. 297 000 dollars américains par station mobile et forage.
Mais c'est toujours un peu trop. Il faut qu'on nous explique combien a coûté un seul. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que maintenant, qui va vous expliquer ça? Ce n'est pas la personne qui a décaissé l'argent. Parce que ce n'est pas sa mission. C'est les experts qui ont conçu le projet. Voilà, mais ça, la mission de l'IGF, c'est la mission de tout Congolais pour contrôler, c'est bien. Donc, on ne va pas dire que c'est la faute de Nicolas Kazadi, parce que ce n'est pas lui d'abord qui a occasionné ce contrat. C'est lui qui a décaissé. Mais le ministère de finances décaisse comment? C'est par une chaîne de décaissement, que je peux dire, la programmation. C'est le ministre du développement rural qui demande au ministre des finances, par rapport à son crédit, donnez-moi autant. Et il ne revient pas au ministre des finances d'aller gérer l'argent qu'il a décaissé pour le compte d'un autre service d'État. C'est ça. Donc le contrôle qu'il y a là, c'est de contrôler d'abord pourquoi ce projet a été surfacturé et qui sont les bénéficiaires de cette surfacturation. Deuxième élément, mais pourquoi alors les bénéficiaires du montant n'ont-ils pas livré autant de forage comme convenu? Ils ont décaissé beaucoup d'argent, ils ont bénéficié beaucoup d'argent, mais moins d'ouvrages livrés. Pourquoi? C'est important. Monsieur Nicolas Kazadi, soit les gens qui le défendent, se plaignent pour dire qu'on est en train de l'accuser à tort. Or, dans ce qui a été publié par la LICOCO, on se rend compte, je reviens dessus, excusez-moi, que par station mobile de traitement d'eau et forage et construction de forage, le montant est de 200, d'abord c'était 398 000, on est revenu à 297 000 dollars américains par station mobile et forage. Les gens estiment toujours que c'est toujours exorbitant, malgré la baisse du coût. Là, c'est le premier problème. Maintenant, pourquoi M. Nicolas Kazadi se plaint-il du fait qu'on est en train de dénoncer une histoire dans laquelle il est innocent? De l'impliquer dans l'histoire dans laquelle il est non concerné. Mais c'est le droit légitime, primaire et fondamental même de tout être humain. Même vous là, si on dit que vous faites partie de ceux qui ont surfacturé ces prix-là de forage, par forage, vous allez faire quoi? Vous allez prouver ou clamer votre innocence. C'est ce qu'il a fait. Jusqu'à présent, personne ne nous a encore convaincu que M. Nicolas Kazadi est impliqué dans ce dossier-là et de quelle manière. Parce que ce n'est pas un dossier le contrat n'a pas été signé pendant qu'il est ministre. Ce n'est même pas financé totalement pendant qu'il est ministre. C'est financé, c'est conclu au temps de ses prédécesseurs. Et maintenant, pendant son temps, il a voulu un peu voir clair au nom de l'État dans ce dossier-là. Et il a fait obtenir à l'État ce que l'État ne pouvait pas gagner sans lui, Nicolas Kazadi. Maintenant, il revient aux gens qu'il implique dans ce dossier-là de démontrer financièrement à quel niveau lui il a pu bénéficier les opérations dans lesquelles lui n'est pas ministre de tutelle. C'est à lui de s'impliquer, de se justifier finalement auprès des services compétents. Il s'est déjà justifié parce que s'il ne s'était pas justifié, moi, ce que j'ai dit là, je l'ai suivi, lui, sur Top Congo. Ce que j'ai dit là, j'ai vu publié dans les journaux. Mais je n'ai pas encore trouvé l'entité sur ça. Mais seulement, dans le principe des droits administratifs et même du droit en général, c'est celui qui allègue les faits qui en administre les preuves. C'est ça. Si vous dites que Fumutoto a volé, je ne suis pas obligé de dire que je n'ai pas volé. Je suis seulement obligé de vous dire, mais prouvez. Et vous ne pouvez pas me dire que je prouve que je ne suis pas voleur. Mais pourquoi vous m'avez dit, vous m'avez identifié comme voleur si vous n'avez pas de preuves? C'est à celui qui allègue les faits d'en administrer les preuves. Alors, vous dites qu'il s'est justifié. Ce que je trouve, comme honnêteté dans la démarche de Jules Alinguette, c'est que lui dit que lui, il ne comprend pas pourquoi Nicolas Kazadi lui-même s'implique dans ce dossier-là, alors que lui ne le poursuit pas lui. Lui, d'après Gilles Alinguette, lui n'est pas concerné. Pourquoi? Lui, comme gendarme des finances. Pourquoi il n'est pas concerné? Mais parce que Gilles Alinguette poursuit qui a surfacturé, qui a reçu l'argent et qui n'a pas livré l'ouvrage. Maintenant, Nicolas Kazadi démontre que lui n'a pas signé ce contrat-là, ce marché n'est pas passé pendant qu'il est ministre. Attendez, que le dossier-là ne relève pas de son ministère.
Alors, comment Gilles Anguette peut-il être contre Nicolas Kazadi par rapport à ces points? Mais lorsque le ministère des Finances constate que... Non, lorsque vous recevez l'OPI, que le ministère des Finances trouve que l'argent que vous avez demandé vaut la peine de vous être donné, le ministre des Finances ne vient plus vous contrôler. Ce sont les autres services d'État, les comptables d'État, le contrôle hiérarchique, le contrôle des assemblées, le contrôle de l'IGF. C'est comme ça que ça se fait. Mais lui, quand il constate que... le contrôle hiérarchique. Quand il constate que le montant que vous demandez, bien que vous êtes passé par la chaîne normale de décaissement de fonds, le dossier lui arrive sous la table, il constate que les montants sont quand même un peu exorbitants par rapport aux travaux qui sont prévus, qu'est-ce qu'il fait? Il décaisse sans pour autant réfléchir ou demander l'avis des experts? Cette question, je peux dire que je n'ai pas une bonne réponse, mais je vais spéculer. Revient-il un ministre des Finances, grand ou petit soit-il, de contrôler la véracité des dépenses des institutions qui ont leur crédit dans sa juridiction? Je me réserve. Par rapport au projet? Je me réserve. Maintenant, quelle est la mission de l'inspection générale des finances, qui en principe était un service du ministère des Finances avant d'être rattaché à la présidence de la République? Pourquoi alors l'IGF était-il à son temps lié au ministère des Finances lorsqu'il était créé? C'est pour dire que, ou même dans son essence, c'est pour dire que le ministère des Finances, ayant la qualité de faire sortir l'argent en donnant ressort, doit avoir un service qui lui permet de savoir s'il n'y a pas eu surfacturation. Maintenant que l'IGF ne relève plus du ministère des Finances, le ministre des Finances va-t-il automatiquement dire « Je ne peux pas te donner ça parce que tu as surfacturé ?» Oui. Si, oui, mais Nicolas Kazadi l'a fait. Parce qu'il a fait gagner à la République 400 forages qui n'en avaient pas. C'est très clair. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut nous dire, malgré la bonne foi de Nicolas Kazadi, qui nous a fait gagner dans le contrat avec qui il n'était pas signataire, 400 forages de plus sur le même montant, Nicolas Kazadi aurait pu faire mieux. Mais c'est de bonne guerre. Que dénonce Nicolas Kazadi dans ce que... Nicolas Kazadi dit seulement que pour la question de lampadaire, pour la vie de Kinshasa, ce n'est pas un dossier qui relève de son ministère. Ça relève de l'état de ville. Et lui n'a fait que vérifier les coûts comme vous exigez maintenant. Est-ce que c'est normal que le lampadaire coûte le prix qui lui était présenté avant de décaisser? Après avoir engagé ce service, il a trouvé que le prix qui était avancé par la vie de ville était conforme. On l'acquise aussi pour un autre. Après avoir vérifié la véracité. Il a trouvé que pour les lampadaires, les prix étaient uniformes. Et maintenant. 13 millions de dollars pour plus ou moins 2500 lampadaires. Non, c'est ce que moi j'ai suivi que Nicolas Kazadi avait dit. Troisième élément, on l'avait acquisé, vous n'avez pas cité ça pour le dédommagement, qu'est-ce qu'on a dit là? D'un opérateur économique là, un entrepreneur, je crois, Mike Kasenga. Mais Nicolas Kazadi a démontré que ces opérations avec cet opérateur économique là n'étaient pas passées avec lui, il n'était pas encore ministre. C'est tout ce que lui a démontré, que toutes ces opérations ne relèvent ni de sa gestion, ni de ses compétences, ni de son temps d'arriver au ministère. Il n'avait que subir la continuité de l'État dans ce contrat là. Maintenant, si Likoko a des preuves que c'est Nicolas Kazadi qui est concerné, la Likoko ne peut qu'aider l'IGF, ne peut qu'éclairer la lanterne de l'opinion nationale, et nous pouvons qu'apprécier, montrer comment Nicolas Kazadi, si quelqu'un montre comment Nicolas Kazadi est impliqué dans ce dossier-là. Maintenant, je veux que je t'en dise ceci. Vous savez, aujourd'hui, peut-être dans le point qui viendra, le troisième point que vous avez aligné, moi je pense que si nous devons savoir commencer avec le deuxième mandat, avec les nouveaux gouvernements, je pense que nous devons commencer par l'élaboration, l'établissement d'un état de lieu sans complaisance, sans haine, sans tribalisme, sans agitation, sans chasse d'autrui pour dire le président Tshisekedi avant d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'il avait promis de faire pour le Congolais? Le président Tshisekedi arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congolais?
qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Congolais? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait comme pour le Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'il n'a pas bien fait pour le Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a très bien fait pour le Congolais? Pour par qui, où, quand et comment? Nous allons ressortir trois choses, selon moi. Nous allons découvrir les ministères, les entreprises et services publics qui auront bien fait leur travail. Deux, nous allons découvrir les animateurs de la République qui auront bien fait leur travail. Et trois, nous allons faire quoi? Nous allons découvrir ceux qui n'ont pas bien fait leur travail. En conséquence, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne maintient pas l'équipe qui perd. Pour les institutions et les animateurs qui auront bien fait leur travail, on les maintient, on les renforce, on les équipe davantage. Mais là, vous parlez des institutions nationales. Or, il y a des institutions qui sont provinciales, qui sont d'ailleurs les plus nombreuses. Quand on voit toutes les institutions doivent connaître le même état de lieu, le même principe, la même rigueur, si nous voulons aller de l'avant. Le président Mabuki a dit lui-même, lors de son discours d'investiture, nous devons corriger les erreurs du passé. Est-ce que nous allons démarrer un nouveau quinquennat avec un nouveau gouvernement, avec une nouvelle gestion, sans faire un tas de liens pour savoir les erreurs que nous devons corriger au deuxième mandat étaient commises quand, par qui, quand et comment? Et comment les éviter? Maintenant, je vous prends un exemple. S'il y a des domaines qui ont fonctionné dans ce pays pendant le premier mandat, je vous prends d'abord que nous avons mobilisé beaucoup d'argent, comme jamais connu au Congo. Je cite, le président Tshisekedi entre au pouvoir, il trouve le budget de la République autour de 5 milliards. Je vais exagérer. Dans moins de 2 ans, le budget est à 10 milliards. Et dans moins de 6 ans, le budget est à 15 milliards. Est-ce que c'est tombé du ciel? Non. Est-ce que c'est l'argent issu de nouvelles entreprises créées? Non. Il y a eu des efforts sous l'impulsion du chef de l'État qui ont amené les Congolais à produire au-delà de ce qu'ils produisaient hier. Je citerai premièrement l'impulsion de l'inspecteur général des finances avec Jules Alinguette. Maintenant que nous disons que nous avons eu l'argent pour la gratuité de l'enseignement, vous parlez de la mobilisation des recettes, vous parlez de l'IGF à la fois. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que l'IGF vient faire? C'est-à-dire que même si vous mobilisez beaucoup et s'il n'y a pas une inspection de contrôle, un service de contrôle, il n'y a pas un gendarme qui vous poursuit, même dans la procédure de mobilisation, vous pouvez détourner l'État. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des détournements. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des détournements, mais ça a empêché qu'il y ait des détournements comme c'était avant. Qu'est-ce qui a changé dans le fond? Ce qui a changé, c'est que nous mobilisions, par exemple, la DGI, elle s'est mobilisée autour d'un milliard. Mais aujourd'hui, la DGI elle-même, sous M. Barnabé Mankad, mobilise au-delà de 4 milliards, au-delà même de 5 milliards de dollars. Ah, c'est à l'actif de l'IGF. D'abord, l'impulsion du chef de l'État qui a dit qu'il faut que les choses changent, qu'on ne blague plus avec l'argent de l'État. Et il y a eu un homme au niveau de l'inspection générale des finances qui a dit, moi, je vais être le meilleur disciple de Tshisekedi dans ce domaine-là. Et le président a vu, mais par exemple, dans la direction générale des impôts, j'aimais qu'il a vu quand même quelqu'un qui est un cadre de l'IDPS, mais qui est aussi membre, cadre de la DGI, ben, même cadre, qui l'a placé là-bas. Avec l'impulsion du contrôle et la volonté de certains DG, nous avons eu l'argent plus. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'il y a eu des réformes énormes au niveau du ministère des Finances, des réformes fiscales et non fiscales. Qu'il y a eu des réformes terribles au niveau du ministère des Finances. Par exemple, l'installation de la carte, comment on appelle ça, de la facture électronique normalisée. Par exemple, l'implémentation de la digitalisation de recettes. On peut prendre le logiciel ISIS et le JGRAD. Vous pouvez prendre aujourd'hui, s'il dit revue avec la banque, l'FMI, le Fonds monétaire international. Le ministre des Finances nous a fait gagner la réussite de 5 revues. Vous pouvez prendre aujourd'hui la qualification des dépenses publiques. Avant l'arrivée de ce ministre, Nicolas Kazadi, au niveau de cette ministère, à la tête de ce ministère-là, nous étions à combien?
à 4% des dépenses de la République sur le fonds interne à affecter au niveau de l'investissement. Mais aujourd'hui, c'est 11%. Cette fois, c'est doublé. Vous pouvez prendre aujourd'hui le financement de dépenses exceptionnelles. Vous pouvez prendre, nous avons financé les procès électoraux. Le premier coût électoral que nous avons financé nous-mêmes à 100%, plus de 2 milliards, 200 millions de dollars. Se financer nous-mêmes. Vous pouvez prendre le financement des jeux de francophonie. Vous pouvez prendre la réhabilitation ou la création du centre hospitalier Mayem. Vous pouvez prendre la création de routes en terre battue au niveau du Grand Équateur, Grabandounou et Grakassai. Mais ces sommes d'argent, nous avons eu d'où? Donc vous voulez dire que sous le président Tshisekedi, la mobilisation des recettes se fait mieux qu'avant, oui, et les finances publiques sont mieux gérées qu'avant? Oui. Quels sont les... Mais quand je dis mieux gérées... Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de faiblesse. Quand je dis mieux gérer, ça veut dire qu'on ne reproche pas. Mais je voudrais seulement dire que, oui, même si on n'aime pas Gilles Alinguette aujourd'hui, on ne peut pas oublier qu'il a trop contribué pour la mobilisation de recettes sous le régime du premier mandat du chef de l'État. Lui-même, on l'appelle le contrôleur incontrôlé. Non, mais parce que les gens n'ont pas l'information. Peut-être que les gens ne savent pas. Vous savez... Il y a peut-être un groupe de journalistes qui a créé ce concept-là, gnossologue, que j'adore beaucoup. Le danger, c'est que tout opérateur économique, non, politique congolais est devenu généraliste, non, expert en tout. Moi, j'étais comme vous, comme les autres. Je savais que demain, je ferais la politique. Il y avait beaucoup de facultés. Vous savez pourquoi à l'université, les départements d'université, vous savez pourquoi on les appelle des facultés? Les capacités, on vous donne des non, capacités. Non, c'est d'abord le mot facultatif. C'est-à-dire, le choix, c'est vous-même. Avant de devenir une faculté comme capacité, c'est facultatif, veut dire vous pouvez ou ne pas. C'est-à-dire, quand vous allez à l'université, c'est vous qui faites les choix. Et quand vous faites les choix, vous devez savoir résoudre un problème. Il faut poser cette question à ceux qui font l'orientation scolaire et professionnelle. On ne peut pas aborder une filière scientifique qui ne répond pas à votre essence naturelle et à vos besoins sociaux. Parce que l'université n'est que la continuité de ce que vous connaissez ou de ce que vous voulez connaître. Mais c'est ça. C'est l'université, c'est la continuité de l'univers dans ce que vous sentez dans vous. Moi, je suis né politique. Politologue ou politique? Politique, arthuriste. Défenseur, courageux, patriote, amoureux de son village, amoureux de sa maison, amoureux de sa famille, qui ne peut jamais trahir sa famille, qui ne peut jamais trahir les défenseurs de ses jeunes frères et de ses parents. Sans franchement, vous pouvez demander à tout le monde, on ne peut être un grand homme politique que lorsque on a les arts politiques dans sa vie. C'est inné. Il faut que vous rencontriez ça dans votre poussée interne, dans votre essence. Comme moi, je suis là. Soko Simbi Congo Simbingai. Je n'ai même pas besoin de faire des sciences pour défendre mon pays. Ça n'empêche pas que vous soyez tantôt au FCC, tantôt à l'Union Sacrée. Ça tantôt... c'est un faux débat. Là, c'est un autre débat. Mais revenons. Non, non, ce que je vous raconte dans ce débat. Oui. Ça, ce sont des manières de procéder, mais ce ne sont pas des fonds d'État. Ce sont les moyens par lesquels un homme politique croit qu'il peut arriver à obtenir les postes d'État et à démontrer ce qu'il pensait en lui avant d'arriver au poste. Le dynamisme politique. Je ne vais même pas parler de dynamisme politique. D'ailleurs, ici même au Congo, je vais être sincère avec vous. Vous ne même pas. Les gens, s'ils étaient scientifiques, ils ne peuvent même pas parler de transhumance au Congo. Comment ça? Mais parce qu'il n'y a même pas d'idéologie au Congo. Il n'y a même pas la classe politique au Congo, ça c'est clair du terme. En tant que politologue, j'assume ce que je dis. Les partis politiques congolais sont tribaux, ethniques et régionaux. Il n'y a pas de mode de production économique ici, comme en Europe, comme ailleurs. Il y a eu le patronat qui a créé le libéralisme vers le capitalisme. Il y a eu le salariat ou le prolétariat qui a créé le socialisme vers le communisme. Ici, les partis politiques congolais sont tribaux ethniques. Ici, il n'y a pas la bourgeoisie complador. C'est la bourgeoisie administrative déjà qui ont accédé au poste d'État, qui ont volé l'argent d'État, qui sont devenus riches et non qui n'ont pas fabriqué l'argent. Quand on dit à Sali Kindumba la politique, nana bala ou politiquement pour Azwa Mutumuninga Ndumba. Quel est le parti politique qui a convaincu les gens ici par l'argumentaire de son idéologie? Donc vous voulez dire
on n'a pas, normalement, on ne devait pas s'opposer. Il ne devait pas avoir opposition et majorité, étant donné qu'il n'y a pas d'idéologie. Mais est-ce qu'ici au Congo, il y a opposition et majorité? Il y a seulement les aigris et les jusseurs. Ah. Ceux qui sont au pouvoir sont contents parce qu'ils jugent, ils gèrent. Et ceux qui sont à l'opposition sont mécontents parce que. Donc vous voulez dire aussi le cas de 5 de Limité, il était aussi aigri quand il était dans l'opposition contre Tshisekedi, contre Kabila, contre Kabila père et fils. Il était aussi aigri parce que vous dites qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. L'opposition, en fait, c'est quoi? C'est une idéologie qui ne voit pas les choses de la même manière qu'une autre idéologie. Bien sûr. L'opposition, en fait. Mais est-ce que vous avez vu l'opposition des idéologies au Congo? Si vous l'avez vu, vous me dites. Hein. Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, mais je répondais à votre question. Votre question à dire que 63 ans, 64 ans après, oui. Qui n'a pas géré ce pays? Tous les opposants sont arrivés au pouvoir. Et tous les opposants d'aujourd'hui sont des pouvoirs d'hier. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Vrai ou faux? Ça, le problème. Est-ce que la meilleure façon de remplacer Nicolas Kazadi, c'est de les diaboliser? Vous êtes un avocat de Nicolas Kazadi? Est-ce que la meilleure façon de diaboliser M. Dan, c'est de méconnaître ce qu'il fait? Est-ce que la meilleure façon de combattre Gilles Alinguette, c'est de nier ce qu'il a représenté pour le Congolais? Et qui le contrôle? Voilà, c'est la question. La question qui est là, vous avez qui dit... le contrôle? Oui. J'ai dit que dans l'État, il y a autant de contrôle. Un, il y a le contrôle hiérarchique. Gilles Alinguette est-il souverain? Est-il au top? Il n'y a pas une mais autorité. Mais depuis qu'il est là, qui l'a j'arrive, contrôlé? J'arrive, mais oui. Je vous donne d'abord le décor, après vous posez la question. Deux, il y a le contrôle des assemblées. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont pour mission de contrôler... On n'a jamais convoqué. À ...les ministères ni... et tous les services et entreprises publiques. N'importe quel député qui veut les convoquer, il n'a aucun pouvoir de refuser. Trois, les comptables d'État, ils ont pour mission de contrôler l'argent de l'État. Les chefs sont toujours contrôlés par les comptables d'État. Même la présidente de la République, comme service public de l'État, est contrôlée par des comptables d'État. Il y a la Cour des comptes. Il y a le contrôle des assemblées. Alors quand quelqu'un dit que Gilles Alinguette est un contrôle, c'est faux. Vous parlez des principes. En principe, Alinguette doit être contrôlé par la présidence, la Cour des comptes, les juges de contrôle d'État. Oui. Ouais, il doit être comptable d'État. Comptable d'État. Ouais. Ça, c'est bien, c'est en principe. Mais en réalité, est-ce que toutes ces structures contrôlent réellement Alinguette? Et si réellement on ne les contrôlait pas, est-ce que ça serait la faute d'Alinguette ou de ces autres-là qui sont payés par l'argent du contribuable congolais pour contrôler Alinguette mais qui ne les contrôlent pas? Mais ça se raconte qu'il est très puissant, il a suffisamment de moyens, qu'il peut influencer de part et d'autre pour se laisser. Si Alinguette n'est pas puissant, c'est le président Tshisekedi qui est puissant dans Gilles Alinguette. Comment ça? Mais parce que c'est le président qui l'a placé là-bas et qui l'a instruit, je vais tel résultat. On le président le métier là-bas parce qu'il fait le travail qu'il lui a demandé de faire. Mais nous avons quand même l'inspection générale de la santé. Nous avons quand même l'inspection générale de la justice. Pourquoi il n'y a pas écho? Parce que le chef de l'État n'a pas rencontré quelqu'un qui était capable d'appliquer sa vision là-bas. Mais au niveau de l'inspection générale des finances, il est tombé sur un homme qui était lui-même préparé et qui attendait avoir des responsabilités et de montrer de quoi il est capable. On l'appelle électro-libre. Il n'a jamais été électro libre parce que l'IGF comme service est rattaché à la présidence comme d'autres services de l'État, comme l'appelle ses consorts. Là c'est les principes. Mais là c'est en principe. Si il y a un principe que tout le monde doit être, ce n'est même pas un principe. S'il y a une loi qui dit que tout le monde doit être contrôlé et que la personne qui est censée contrôler l'autre ne le fait pas, est-ce que c'est la faute de sa personne qui n'est pas contrôlée? Mais alors que Gilles Alinguette, je vous dis que l'argent qu'il gère, l'argent que l'IGF gère, les services de l'IGF sont contrôlés par le comptable d'État. Et qu'il est là, il peut être invité par tout autre service hiérarchique ou ordre d'assemblée pour le contrôler, qu'on le contrôle. D'accord. On va revenir sur... Est-ce que vous avez compris que le faux débat qu'on veut imposer n'en est pas un? Parce que Gilles Alinguette n'est pas. Il est souverain par rapport à qui? Il a été nommé un certain 30 juin par le chef de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État. Haut fonctionnaire de l'État. Point.
On peut trouver un haut fonctionnaire de l'État qui est au-dessus du chef de l'État, du Premier ministre. Il y a beaucoup de dénonciations contre Jules Alain Guéthé. Dénoncer beaucoup, sans annoncer les preuves, c'est aussi un problème. Beaucoup de dénonciations. Il y a eu cette publication du journaliste de Politico.cd. Il y a une dame qu'on a reçue ici qui a dénoncé le fait que Jules Alain Guéthé, il est un peu, il est tout puissant, il s'impose sur... Mais tout puissant de quoi? Beaucoup de dossiers. Il est parfois même, il va même au-delà, il prend des décisions au-delà même de ses prérogatives. Et mais donc, quelle décision? Il faut le dire. On va y revenir. Ça le démontrer. On va y revenir. C'est grave. On va y revenir. Ouais. On va y revenir. L'émission de la dame est en... et sur notre chaîne YouTube. Quelle dame? Le Tanganyika? Madame Buanda. Le Tanganyika? Non, il était ici à Kinshasa. Elle a travaillé là. Je vais suivre cette dame-là. Mm. Et si au besoin, je vais la rencontrer dans un débat contradictoire pour écouter ce qu'elle a comme allégation, si c'est fondé. Mais vous, pourquoi vous défendez Alain Guéthé? Moi, je défends les animateurs de toutes les institutions de la République. Est-ce que vous avez ce mandat-là? Oui. Vous l'avez eu de qui? Je suis Congolais. Tout ce qui s'est fait par le pouvoir est fait pour moi individuellement et pour le Congolais collectivement. Et donc j'ai besoin de m'en approprier. C'est mon droit. De faire l'opposition ou de soutenir le programme du gouvernement. C'est un droit. Inaliénable. Là. Parce que le bien qui est fait, les hommes de qualité, les ministères qui font quelque chose, sont les miens, ce sont mes serviteurs. Banam Sanangai. Et Moussala, moi, Moussala, Sali, Fona, Koumisaye, Pena Kolingatem, tout ça, diabolisé. Tu sais, nous souffrons au Congo des choses. Tolingi, Batouazo, Bébi Sambokate, mais Tolingi, on dit, ma Batouazo, Bongisangote. Donc, Alain Guéthé est parmi ceux qui. Oui, aujourd'hui, s'il y a des gens que le chef peut maintenir, renforcer, équiper, pour moi, Jules Alain Guéthé ne peut même pas aller au gouvernement. De rester là-bas. S'il va au gouvernement, c'est un danger pour lui et pour la République. Comment ça? Ça, c'est moi. Jules Alain Guéthé a fait dénoncer et révéler les voleurs, bandits financiers et prédateurs de la République. Quand il est dans un service de l'État qui lui donne ce pouvoir-là. Et ces bandits de la République, certains d'entre eux sont élus députés, sénateurs bientôt, et ils seront au Parlement. Et si jamais Jules Alain Guéthé allait comme ministre, même, disons, même ministre des Finances. Mais il aura la pluie de contrôle sur lui. Il sera humilié. Parce que ces gens vont se venger. Sauf si Jules Alain Guéthé allait au gouvernement pour avoir un poste qui lui permet de s'imposer et de montrer de quoi il est capable. Ça va. Mais comme simple ministre des Finances, comme simple ministre, non, moi je ne le conseillerai pas ça. Ce sera une honte pour lui. Il faut qu'il soit, si le chef le veut, renforcé. Par exemple, que le chef soit renforcé par la création immédiate d'un parquet financier composé des juristes de qualité refondés et des économistes de qualité reformés. Vous allez voir que si Jules Alain Guéthé est maintenu, par exemple, inspecteur général des finances, et qu'à côté de lui, il y a un parquet financier, parce que ce n'est pas tout juriste qui sait contrôler tout voleur. Et c'est pas tout économiste qui comprend la loi. Il faut qu'il soit refondé, c'est-à-dire réformé, d'accord, équipé, spécialisé. Parlons des finances publiques, juste pour finir. La régie est en train de me mettre la pression qu'on a débordé. Ça va très très vite, la question. Alors, les finances publiques. Vous avez dit que dans le secteur, dans l'un des secteurs où nous avons réussi, c'est dans le secteur des finances publiques. Oui, oui. On a mobilisé. On a mobilisé beaucoup de recettes. Voilà. Est-ce que ces finances publiques sont utilisées à bon escient pour l'intérêt général? Oui et non. La question, non. Commençons par non. Commençons par non parce que tant que le peuple ne s'est pas encore retrouvé comme il faut, nous pouvons continuer à dire que nous faisons très bien le travail. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore donné les 10 que nous allons négliger les 6% que nous venons de donner dans le premier mandat. Attendez. Parlons du cas particulièrement du paiement des fonctionnaires. Mmh. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Ouais. Il y a des fonctionnaires qui sont dans les banques en train de toucher le mois de mars dernier. Ouais. Or, nous sommes au mois d'avril. Ça veut dire le mois d'avril est presque déjà consommé, mais les gens touchent le mois de mars. À quoi
Comment ça peut s'expliquer pendant qu'il y a embellie financière? Tout en n'étant pas d'accord avec ça, parce que moi, monsieur, j'attends mon salaire que je n'ai pas encore. Mais n'oubliez pas qu'avec Kabila, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y avait des arriérés de 6 mois, d'une année même de salaire. Pour ne pas parler que des cas de députés provinciaux, au Bosanante. Les professeurs n'en parlent pas. Maintenant, quand vous dites, pendant que nous sommes au mois d'avril, les fonctionnaires sont en train de toucher le mois de mars. Toucher en retard le mois de mars. Ça signifie qu'ils ont déjà touché le mois de janvier. Ça signifie qu'ils ont déjà touché le mois de février. Ça veut dire qu'il y a un petit. Mais le mois arriéré, qui l'a inventé, ce n'est pas les Congolais. Il y a quand même un recul comparé à l'époque de Mandela. C'est une faiblesse qu'il faut corriger. Ouais. Mais cette faiblesse, on doit situer, elle vient d'où? Parce que s'il n'y avait pas une gestion orthodoxe des finances publiques maintenant, sous la gouvernance de Nicolas Kazadi au niveau du ministère des Finances, le pire nous aurait connu. Parce qu'il ne faut pas oublier la Covid-19, il ne faut pas oublier la crise russo-ukrainienne, il ne faut pas oublier la guerre, il ne faut pas oublier les élections qui nous ont fait sortir beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'un seul secteur a pu consommer au peuple congolais 1 milliard 200 millions de dollars de procès électoral. Je ne sais pas si les Congolais comprennent ça. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là. Mais ça ne peut pas rester sans impact négatif. Pourquoi les autres ont-ils choisi les élections au suffrage universel direct, indirect? Au lieu que tout le monde choisisse le président qui s'en vote par les parlementaires. Parce que c'est pour réduire les coûts. Nous voulons tout embaumer, construisons. Au contraire, on a beaucoup travaillé. Si le ministère des Finances recourait à la planche à billets, les taux d'inflation ne seraient plus là où il est. Mais Nicolas Kazadi a décidé de gérer, de décaisser en fonction de ce qui entre dans la caisse de l'État au lieu de recourir à la planche à billets. Ça, on va dire, non, on ne veut pas de Nicolas, on ne reconnaît rien. D'accord. Maintenant, si demain, il n'y a pas un Jules Alinguette au niveau de l'inspection générale des finances, il n'y a pas un Barnabé Mouakadi au niveau de la DGI, il n'y a pas un Nicolas Kazadi, s'il y aura moins que eux, ça va sombrer. Mais si aujourd'hui, on rééquipe l'IGF. Donc vous souhaiterez que Nicolas Kazadi continue, IGF continue? Je n'ai pas le droit de demander aux gens de continuer de les maintenir. Moi je ne fais que des analyses. Il n'y a que le chef qui peut décider de maintenir les gens ou pas. Vous, au regard de leurs résultats, vous souhaiterez qu'ils continuent. Quand Kapolé Mukendi a dit « aimons-nous vivants », qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est d'abord un penseur français qui a dit ça. Ça veut dire, Moutoutan a sali bolam, faut boire et bisser, n'attendre dans la bonne moyenne. Même si vous avez besoin de vous faire un peu. Mais si vous avez besoin de vous faire un peu de sali, mais pourquoi vous avez besoin de vous faire un peu? Il ne faut pas que ce soit pour dire, ah, tant que vous faites un peu. Non, aimons-nous vivants, ce n'est pas moi, c'est pour les Mukendi. Moi, je veux aussi entrer dans les institutions, mais je ne pense pas qu'il faut commencer par diaboliser, négliger tout le monde qui est là pour les remplacer. Non, j'ai commencé à dire, il fait bien son travail, mais je ne veux pas qu'il prenne ma place. Je vais aller vers les chefs, je ne vais pas remplacer quelqu'un d'autre, parce qu'il y a beaucoup de place autour du chef. D'accord, on va finir. Donc, il faut cesser la diabolisation, il faut cesser de confronter les gens qui ont déjà fait quelque chose pour le chef, il faut cesser de penser à la politique des hautes toits que je m'y mette. D'accord, ça fait longtemps que nous la pratiquons, ça n'a pas fait avancer le pays. Ça n'a pas fait avancer le pays. On va finir avec les institutions. Assemblée nationale, aujourd'hui on va peut-être élire le futur président de l'Assemblée nationale au niveau de l'Union sacrée. Il y a aussi les consultations pour la désignation, la formation du gouvernement. On est déjà à 3 mois de retard depuis que le président a pris le pouvoir. 3 mois qu'il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de bureau définitif, 3 mois qu'il fonctionne sans gouvernement. Aujourd'hui, la question qui se pose, comment faire pour avoir un gouvernement qui ne répétera pas les erreurs du passé, et un Parlement qui va se distinguer, ne fût-ce que par le contrôle parlementaire? Pour le Parlement, je pense que nous avons innové, parce que c'est une première qu'on puisse avoir les primaires sous l'étiquette de l'Union sacrée, ou de la majorité au pouvoir, ou de la coalition au pouvoir, au niveau de la Chambre basse du Parlement. Ce qui est vrai, c'est que la fois passée, c'est le président Bosso qui était le président du bureau d'âge, qui était devenu le candidat unique de la majorité au pouvoir. Cette fois-ci, c'est 3. C'est une très très bonne chose. Ça signifie que le chef de l'État n'est pas un dictateur, un dominateur, un monarque. Il a dit oui,
Vous, j'imagine, de mon humble avis, que si vous avez un CD, vous allez céder à Boyaki. Alors, allez devant ceux qui ont qualité de vous choisir, étant tous membres de la majorité au pouvoir, de la coalition au pouvoir, pour les primaires. C'est une très bonne chose, c'est une innovation, si c'est fait de bonne foi. Mais je sais que toute action politique a des coûts politiques. Il y a toujours les dessous. Ah, l'émission est intitulée « Entre les lignes ». Oui. J'ai oublié de dire que il ne manque pas quand même des entrelignes, si je veux dire. Je ne sais pas lire ce qui n'est pas visible, parce que je ne fais pas partie des hauts gradés de l'Union sacrée. Je ne suis qu'un simple politologue qui analyse les faits à tort et parfois à travers. Donc, ou à raison. Donc, il est possible que celui qui ait la volonté des députés ne soit pas... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Le présidium de l'Union sacrée a montré ses limites, qu'il n'était pas en mesure de protéger les grandeurs. Et si donc les salis des grands deviennent une maladie pour les petits, notre avenir politique. Et ils n'ont pas si concédé. Personne ne s'est retiré. C'est-à-dire qu'ils se voient tous président de l'Assemblée nationale, pour un seul fauteuil. Maintenant, celui qui va perdre, il a déjà perdu. Va-t-il venir au Parlement siéger pour aider l'autre à bien faire son travail? Terminé. Mais au moins, tous les trois, à ce que je sache, ont déjà été président parlementaire. Vital Kamerhe, à son époque, a bien géré plus que les autres présidents de l'Assemblée nationale que nous avons eus. Depuis 2006. Selon moi. Ok. Il a su construire l'opposition au le pouvoir. Ok. Le président Bosso a si bien géré à son temps. Il a su concilier et l'opposition et le pouvoir. Il n'y a pas eu beaucoup de casses dans la gestion de ces deux. Le président Bati a réussi aussi à gérer le Sénat sans casse jusqu'à la fin de la législature. Mais maintenant, on cherche l'un d'entre eux. Moi, je peux dire qu'à ce stade, je peux dire que ce sera le meilleur d'entre eux. Parce que tous les trois, de par leur gestion, sont meilleurs. Maintenant, est-ce qu'ils ont été meilleurs dans une gestion qui a résolu le problème du peuple congolais? Là est la question. Ils ont été meilleurs dans une gestion qui a protégé les élus du peuple. Maintenant, nous attendons les meilleurs qui va bien faire le travail dans le deuxième mandat pour protéger les peuples et non les députés qui sont déjà bien payés. Alors que le Congo gagne avec ou sans lui. Alors que le Congo gagne avec ou sans vous. Même Nakoufa, même Nazate. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut faire bien les gens. Et c'est qu'il faut faire bien les gens. Donc, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes. Merci beaucoup. Donc, pour moi, il ne faut pas oublier que nous allons changer la constitution. Ça, c'est moi qui dis. Parce que cette constitution, moi, je ne l'aime pas. Donc, on va changer la constitution. Moi, j'ai dit moi. Mais comment vous le savez? Mais j'ai dit moi, je veux que cette condition change. Ah, ça, c'est votre volonté. Parce ne dit pas l'Union sacrée. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Est-ce que la personne qui doit être là va nous aider à changer la constitution? S'ils deviennent un obstacle, pour nous, nous les combattrons demain. Oui. Parce que moi, je ne veux pas que dans ma constitution, on dise la nationalité congolaise est une et indivisible. Que je trouve les gens qui ont le moratoire de la plurinationalité toujours au Parlement. Soit on opte pour la plurinationalité, soit on est strict avec la nationalité nationale une exclusive, et c'est fini. Je ne peux pas trouver une constitution qui dit le président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation, à côté ennemi national qui ne cite ni Dieu ni la nation. Le bout congolais. Moi, je veux que nous puissions changer la constitution pour que nous puissions avoir un hymne qui nous vaut la peine. Je ne dis pas qu'en tant que membre de l'Union sacrée, nous avons un compte à droit dans l'entrée congolais. Donc, je demande au président, on trouve que Tindakuna aille rebloquer Bissot pour changer la constitution. On a un lobby qui est en tant que Fumutoto. On a un lobby tant que nous changer la constitution. Merci beaucoup. Bon, Angaï, ce qui fait que c'est que Assali Otoz a corrigé l'erreur dans le passé. Du passé et que va congolais va moni ba qui collé qu'à premier mandat pour nous bouger constitution en attendant.
pour qu'il revienne. Et je ne veux pas que quelqu'un le bagarre dans l'Assemblée nationale. Là, je traduis le président en accusation. Parce qu'il n'y a que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent traduire le président dans la justice. Vous voulez dire? J'ai dû s'entendre dire ce que je ressens. Vous souhaiterez que le chef revienne pour 2028-2030? Mais papa, il y a 5 présidents qui sont dans le monde. Il y a 5 présidents qui sont dans le Si vous avez 2 ou 3 ans, ça dit pas que vous avez des minéraux. Vous battez la constitution, vous battez la moto, vous battez la moto, vous battez la moto. Et le pouvoir fatigue, vous le savez. Le président américain a 81 d'années, non? Attends, il a mis dans le temps. Non, il a son. Dans le lobby, dans le sens où, non? Oui. Quand nous trouvons qu'à lire, il y a un peu de temps, il y a un et parce qu'il y a un peu. Donc, nous avons dit à l'Assemblée nationale, aïe, vous bloquez l'institution, l'obité. D'accord. Et l'organe de sûreté en moi. Merci beaucoup, monsieur Fumoutoto. Ce n'était qu'un point de vue. Hein. C'est juste votre point de vue. Ouais. On a compris. On a compris votre point de vue et la pensée qui est derrière votre point de vue. Non, c'est mon point de vue. Oui, on ne peut pas attribuer ça à un autre. Sinon, je vais revendiquer les droits d'auteur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était monsieur Fumoutoto Basanga, initiateur de la troisième voie et coordonnateur de l'UCOR, Union de communicateurs pour la République. Portez-vous bien et à très très bientôt sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. Au revoir.